Pendant une 15-20 minutes, c'est ça? Une quinzaine, vingtaine de minutes. Ouais. Ouais, une quinzaine, très bien. Mais je pense que la partie la plus intéressante sera certainement celle du question-réponse. Donc, je vais pas parler trop longtemps non plus. Et tout d'abord, pour vous remercier pour cette invitation, parce qu'on est une période un peu particulière où on devient tous des spécialistes des conférences téléphoniques sur Zoom, Teams, Instagram et Skype. Donc je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, de partager mon expérience. Peut-être en quelques mots, pourquoi est-ce que je me retrouve à parler aujourd'hui de crise et de communication de crise? Parce que malheureusement, tout au long de ma vie professionnelle, j'ai été confronté à des crises exceptionnelles. Exceptionnelles par leur gravité, qui ont été éprouvantes pour les Français, éprouvantes pour tous ceux qui ont dû les affronter, dont moi, à mon humble niveau. Parmi ces crises, il y en a un certain nombre que j'ai vécues quand j'étais au Quai d'Orsay auprès de Laurent Fabius, des prises d'otages, des entrées en guerre, des négociations internationales difficiles comme celle sur le nucléaire iranien, par exemple. Et puis surtout quand j'étais à l'Élysée auprès de François Hollande, où nous avons eu à connaître la phase la plus terrible d'attentats que la France ait connus en 2015 et en 2016, mais aussi d'autres types de crises et de catastrophes. Je ne peux pas toutes vous les citer parce que malheureusement elles ont été nombreuses, mais pense à des accidents comme le train qui a déraillé à Brétigny, l'accident de voiture, de car plus exactement à Puceguin, le TGV qui a déraillé à grande vitesse dans l'est de la France, les inondations avec une crue centenaire, l'avion de la German Wings qui a foncé dans une montagne, et puis des crises économiques, bien évidemment, puisqu'à l'époque le chômage était vraiment très fort, et enfin des crises politiques. Cette expérience de la gestion de crise que j'avais pu acquérir dans le secteur public, j'ai continué à l'enrichir dans le secteur privé, parce que depuis 3 ans, je suis consultant, d'abord au sein d'une agence, l'agence 2017, puis maintenant en tant que consultant indépendant au sein de ma propre agence, qui répond au nom de Gaspard Ganzer. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper d'agence quand je la cherche. Et là, j'accompagne des personnalités du monde du spectacle, du sport, de l'entreprise, mais aussi de la politique, quand elles sont confrontées à des problèmes de réputation personnelle et qu'ils doivent se défendre sur les réseaux sociaux, dans la presse, ou alors à des entreprises qui ont des situations complexes à gérer, des restructurations, des problèmes de réputation, ou comme on peut le voir aujourd'hui, cette situation épidémique qui met les entreprises dans des grandes difficultés. Parce que la crise que l'on vit à l'heure actuelle est évidemment d'une gravité exceptionnelle, et comme toutes les crises, elle nous surprend. Parce que je commencerai par là, mais c'est bien ça la caractéristique de la crise, c'est qu'elle n'est pas anticipable. On ne peut pas préparer véritablement une crise, parce que justement, c'est ce qui vient bouleverser l'ordre établi et écrire un scénario qui n'était pas celui qui était prévu auparavant. Donc souvent, on a beau jeu a posteriori ou pendant la crise de dire, mais comment ça se fait que le chef d'entreprise, comment ça se fait que les pouvoirs publics n'aient pas pu anticiper une telle situation? Eh bien, parce que tout simplement, justement, s'ils avaient pu l'anticiper, on ne serait pas dans la situation de crise, et que justement, on est confronté à un scénario qui n'avait jamais été envisagé jusqu'à présent. Plusieurs exemples. J'ai cité tout à l'heure le scénario de l'avion de la German Wings qui fonce dans la montagne. Personne n'avait jamais pu imaginer que un pilote d'avion d'un vol régulier déciderait de s'enfermer dans le cockpit pour foncer dans une montagne parce qu'il était poussé par une pulsion suicidaire. Personne n'aurait pu imaginer que des gens, via des terroristes islamistes, viennent mitrailler des gens en pleine rue par un soir de novembre et décide de s'en prendre à des salles de spectacle. Et aujourd'hui, personne n'aurait pu imaginer qu'une épidémie qui trouve son foyer initial en Chine, même si on ne connaît pas encore exactement les circonstances, on parle de pangolins, de chauve-souris, pourrait se répandre, pardon, à la planète entière. Donc la crise, c'est ce qui nous surprend. La première chose, évidemment, quand on est confronté à une crise, c'est de se confronter à son évaluation. C'est ça la chose la plus importante. Là, évidemment, on est tout de suite confronté à un dilemme. Est-ce que on a vraiment affaire à une crise, et dans ce cas-là, il faut le dire et s'y préparer, ou est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir? Et les pouvoirs publics, comme les chefs d'entreprise, sont toujours dans cette hésitation au moment où ils voient qu'un accident est en train de se produire. Et ils font attention, ils ont raison d'ailleurs de se poser la question, parce que
la surréaction n'est pas une bonne chose, tant en gestion qu'en communication de crise. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce qu'on appelle l'effet Streisand, du nom de Barbara Streisand. Je vous raconte l'histoire, on est dans les années 80. Barbara Streisand, personnalité américaine de premier plan, apprend que la presse People a photographié sa maison. Et en fait, elle décide d'intenter une action en justice pour empêcher la publication de ces photos. Et le problème, c'est que la publicité donnée à son action contentieuse va conduire à ce que tout le monde s'intéresse à cette affaire, alors que jusqu'à présent, personne ne s'y était intéressé. Donc l'effet Streisand, c'est par sa réaction, amplifier, voire même créer une crise. Donc les pouvoirs publics, comme les chefs d'entreprise, quand ils sont confrontés à un début de crise, se disent toujours « attention, il ne faut pas que je surréagisse ». Mais c'est évidemment un problème. Mais l'autre problème, c'est le syndrome que je dirais de l'autruche, c'est qu'on, face à une crise, ne pas la voir et refuser de l'accepter, être dans le déni, comme on peut le dire en psychanalyse, refuser de voir qu'un drame se profile. Et là aussi, c'est un réflexe assez humain, puisque on n'a pas envie d'être dans une situation de crise, comme un être humain n'a pas envie d'être malade, sauf s'il a des graves problèmes psychiatriques. Un chef d'État, un chef d'entreprise n'ont pas envie d'être confronté à une crise qui vient bouleverser l'ordre naturel des choses, remettre en cause, les hiérarchies, le fonctionnement, les plans stratégiques. Et pourtant, il faut le voir les choses, parce que le problème, c'est que si on refuse de caractériser la crise, un, on perd du temps. Et là, on l'a vu beaucoup dans cette crise du coronavirus, puisque certains ont tardé à réagir. On pense au Royaume-Uni, peut-être dans une certaine mesure aussi à certains pays européens comme la France. Et surtout, le fait de nier le réel conduit à une perte de confiance. Parce que j'introduis ce terme de confiance, mais dans une crise, la clé, c'est le maintien de la confiance. Qu'on soit chef d'entreprise, chef d'une association, chef de l'État, chef d'un gouvernement, pour bien gérer la crise, que ce soit du point de vue de l'action et de la communication, la clé, c'est d'inspirer confiance à ses mandants, que ce soit ses actionnaires, que ce soit ses consommateurs, que ce soit ses citoyens. Or, ce n'est pas évident, puisque face à une crise, on a tous peur, c'est la peur qui nous saisit. Et on s'en remet à celui qui est censé nous guider, nous protéger. Que ce soit dans le cadre d'une communauté privée, comme une entreprise, une association, ou une famille, ou d'une communauté politique, comme l'État, la communauté territoriale. Et donc, le challenge pour le leader, que ce soit le leader de l'entreprise ou le leader de la communauté politique, c'est réussir à inspirer durablement la confiance. Et donc la question qu'on se pose toujours avec les gens avec qui je travaille, que ce soit mes clients ou que c'était par le passé au sein de l'État, c'est comment inspirer confiance en période de crise. Parce que c'est ça la clé de la communication, c'est maintenir la confiance. Dans une dictature, on se fait respecter, ou dans un système autoritaire, on se fait respecter par la force. Mais dans une communauté démocratique, que ce soit la communauté démocratique d'un État, d'une communauté territoriale ou même d'une entreprise, parce que l'esclavage n'existe plus. Donc il y a toujours un consentement dans la relation de travail et un consentement dans la relation avec le consommateur, comme il y a un consentement dans la relation avec l'actionnaire ou l'investisseur. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la confiance? Eh bien, je crois que ça repose sur trois clés. La première de ces clés, c'est la transparence. Je pense que face à une crise, quelle qu'elle soit économique, politique, sanitaire, comme on le voit aujourd'hui, la première pierre à déposer pour construire l'édifice, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire évidemment dire tout ce que l'on sait, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas. C'est essentiel. Les deux sont essentiels et sont difficiles à faire. Dire tout ce que l'on sait, c'est difficile parce que souvent on est tenter de conserver une partie de l'information pour soi. Un certain nombre de décideurs publics ou privés pensent que le fait d'avoir une longueur d'avance, d'avoir l'information, leur donne du pouvoir. C'est une erreur, parce qu'en fait, si on garde de l'information pour soi, les gens finissent toujours par le savoir, ils vous reprochent, vous le saviez, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit plus tôt? Surtout que parfois, l'information sort malgré eux. Je vous prends un exemple qui n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, les auteurs de cet attentat, les frères Kouachi, étaient partis en voiture. Ils avaient oublié une carte d'identité dans leur voiture. Cette carte d'identité a été retrouvée par la police et le gouvernement en a été informé. Le gouvernement a voulu conserver l'identité des frères Kouachi. Le problème, c'est que parce qu'ils avaient un bon réseau dans la police, les médias ont tout de suite su
le nom des frères Kouachi et ont révélé l'information dans les médias. Et donc, l'État s'est vu reprocher d'avoir conservé cette information de façon secrète et il a perdu en crédibilité. Dire tout ce que l'on sait, mais aussi tout ce que l'on ne sait pas. Le leader a souvent du mal à reconnaître qu'il n'est pas omniscient. C'est une erreur. Parce que ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ce qu'on ne sait pas. Toute personne qui a préparé un entretien d'embauche ou toute personne qui a eu à mener des missions de conseil sait que celui qui a réponse à tout est suspect. Parce que personne n'a réponse à tout. Il y a des choses qu'on ignore, qu'il faut qu'on aille chercher, préciser. Et donc, il faut reconnaître qu'on ne sait pas tout. Donc ça, c'est la transparence. Après, il y a la pédagogie de l'action. Ce qui est essentiel, après avoir dit tout ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est de dire ce que l'on fait et d'être transparent par rapport à ce que l'on fait, les actions, parce que là, ça rassure de montrer qu'il y a une action, que l'on fait des choses, que ce soit pour protéger, pour se restructurer, qu'on ne reste pas les bras ballants, la tête entre les mains, mais qu'on est dans l'action, pas simplement dans l'analyse. Ça, c'est la deuxième chose, que l'on met des salariés au chômage partiel, que l'on change sa ligne de produit, que l'on développe de nouveaux services, ou quand on est du côté de l'État, qu'on agit pour produire des tests, des masques, etc. Donc, reconnaître ce que l'on fait, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'en a pas les moyens. L'État aujourd'hui, je pense, par exemple, aurait intérêt à reconnaître assez vite qu'il n'avait pas les masques suffisants et qu'il faudrait du temps pour les produire. Qu'ils le font aujourd'hui, qu'un vaccin, ce n'est pas pour demain, parce que ça prend un très grand nombre de temps. De cette manière-là, on crée de la confiance et de l'empathie, parce que l'on montre ce que l'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire tout de suite et qu'on va essayer de faire. La modestie, en fait, l'humilité. C'est le maître mot de ces deux premiers points que sont la transparence et la pédagogie. Mais la troisième clé, c'est ce que j'appelle la communion. Comment rassembler les gens ? Pour rassembler les gens, bien évidemment, il faut avoir fait preuve de transparence et peut-être de pédagogie. Mais il faut aussi trouver une manière de rassembler les gens dans ces périodes de crise. Parce qu'il se passe toujours quelque chose de paradoxal dans une crise. Dans une crise, les gens sont d'abord tentés par le repli sur soi, la méfiance. La peur de l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit des fake news, des théories complotistes, etc. Mais ils ont un deuxième réflexe aussi. Parce que l'être humain sait instinctivement, presque primitivement, que c'est en se rassemblant avec ses congénères qu'il va se défendre, qu'il va se resserrer, se rassembler. Je reviens à quelque chose de dramatique comme les attentats. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, les gens se sont rassemblés spontanément sur les places. Au lendemain, et ils se sont retrouvés derrière ce hashtag de « Je suis Charlie ». Après les attentats de novembre 2015, ils ont été un grand nombre à dire de façon bravache « Nous sommes en terrasse et nous continuerons à aller en terrasse ». Face dans les périodes de guerre, il y a des phénomènes de résistance ou des gens qui s'engagent volontairement. Tout comme là, on a observé qu'il y a des gens, il y a des médecins qui sont retournés spontanément à l'hôpital alors qu'ils étaient médecins de ville, que les gens applaudissent les soignants, etc. Il y a aussi toujours des ferments de solidarité. Et donc, dans une crise, il faut s'appuyer sur ces ferments, parfois timides, de solidarité et de fraternité. Et ça, c'est le rôle du leader, de mettre en avant ce qui est de positif et de ce qu'il y a de plus noble dans l'âme humaine, que ce soit celle du collaborateur dans l'entreprise ou du citoyen, pour créer du commun. Parce que ce commun va permettre d'aller face à l'épreuve, d'y résister, mais surtout va bâtir des choses très fortes pour la suite. Parce qu'on se souvient des combats qu'on a menés ensemble face à une crise. Et cette communion, elle peut créer un resserrement. Paradoxalement, c'est dans les périodes de crise que l'on peut le plus se resserrer, se galvaniser. Et une fois la crise passée, c'est peut-être aussi dans le retour d'expérience, ce qu'on peut appeler le rétex, sur voilà ce qu'on a bien fait, pas bien fait, mais aussi dans la mémoire de ce qu'on a vécu en commun. Parce que, j'en terminerai par là, mais le danger après une crise, c'est souvent, j'entends souvent les gens dire, on parle du monde d'après, etc., mais après la crise du coronavirus, mais le vrai réflexe après une crise, c'est un mécanisme psychologique, psychanalytique, qui est le refoulement. Quand on vit une crise grave, en réalité, on n'a pas du tout envie de la ressasser. On a envie de tout de suite passer à autre chose et on met dans un coin de sa tête ce que l'on vient de vivre comme un traumatisme, comme une maladie, comme un accident de voiture. On le met de côté comme si ça n'avait pas existé. J'avais été très saisi après les attentats par la volonté des Français de passer vraiment totalement à autre chose. Pour exemple,
dans la campagne présidentielle de 2017, alors que nous n'étions que quelques mois après les attentats de Nice qui avaient eu lieu en juillet 2016, on n'a pas du tout parlé de terrorisme. Pourquoi ? Parce que les gens avaient envie d'ouvrir une autre page. Et Emmanuel Macron, qui a été élu président de la République en 2007, n'a quasiment pas parlé de lutte contre le terrorisme. Pourquoi ? Alors que le terrorisme existait toujours. Il y a même eu un attentat pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire la mort de Xavier Jugelet, qui était un policier qui a été tué sur les Champs-Élysées. Pourtant, on n'en parlait pas ou très peu. Pourquoi ? Parce que les gens voulaient regarder de l'avant. Et vous verrez que après cette crise du coronavirus, le premier réflexe des gens, ça va être de refouler. Parce que le mécanisme qui revient souvent sur toutes les bouches en ce moment, dit de résilience, il nécessite une part d'oubli sélectif pour pouvoir avancer. On ne peut pas en permanence vivre dans le passé, dans le traumatisme que l'on vient de vivre. Il ne faut pas vivre contre son passé, il ne faut pas vivre sans son passé dans la crise, mais tout simplement avec. Et ce n'est que plus tard, quelques mois passant, qu'on peut être dans une période de plus de débrief, mais aussi peut-être de mémoire collective, parce qu'il faut honorer ceux qui ont souffert dans la crise et autres, et ce qu'on a vécu comme traumatisme. Donc on ne peut pas dire on fera tout comme avant, parce qu'il y a toujours des leçons à retenir, des ferments à utiliser, mais en même temps on ne peut pas dire on peut vivre en permanence dans l'état de crise. L'état de crise, il est plein d'adrénaline, il est plein de complexité, parfois il crée même de la communion, mais il ne peut pas être un état permanent. Et donc le challenge du leader, j'en terminerai par là, face à une crise, c'est le retour à la normale. De dépasser la phase de crise pour justement être dans un retour à la normale. Et c'est ça qu'il doit faire. Évidemment, il faut dans ce cas-là accepter de sortir de cet état exceptionnel que celui de la crise, qui a beaucoup de côtés négatifs, mais qui parfois, pour un leader, peut aussi avoir un effet galvanisant qu'il faut savoir dépasser. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Merci Monsieur Ganzer pour cet éclairage très très détaillé. On a reçu donc pas mal de questions sur le sujet. Une première donc pour une entreprise à partir de quel seuil se déclarer en crise et prendre le risque ainsi d'inquiéter ses partenaires habituels, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires. Bah en fait il n'y a pas de règles intangibles. Les entreprises et les organisations doivent aussi pouvoir supporter des secousses, une baisse d'un chiffre, une baisse de rentabilité, la baisse d'un chiffre d'affaires, une attaque réputationnelle. Donc il ne faut pas non plus tout le temps sortir le sifflet, vous savez, sinon on est comme dans la fable ou dans l'histoire de au loup, au loup. Et il faut y faire attention. Donc il n'y a pas de critères uniques. En revanche, justement, la force du dirigeant, du leader, c'est de sentir quand quelque chose sort de la normale. Dans le domaine financier, ça existe, hein, parce qu'il y a des mécanismes dits de profit warning qui doivent permettre justement d'alerter les marchés financiers sur l'évolution d'un indicateur. Donc les mécanismes de contrôle de gestion doivent quand même y permettre sur ce qui sont les données quantifiables, le bénéfice, le chiffre d'affaires. Donc là, évidemment, dès qu'on commence à avoir une baisse à deux chiffres de l'un ou de l'autre, c'est évidemment très inquiétant. Mais parfois, il vaut mieux anticiper et aller de l'avant. Quand on voit que le plan stratégique qu'on a imaginé ne se passe pas du tout de la même manière, qu'il y a des signaux inquiétants qui commencent à s'effoper, il faut réagir très vite. Et justement, c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, c'est que je les aide justement à mettre en place, entreprise par entreprise, des mécanismes qui permettent de détecter les signaux faibles, parce que c'est ça la force, c'est être capable de remarquer que dans tel magasin, telle offre de service marche moins bien, et que c'est inquiétant, parce que ça ne devrait pas arriver. Essayer de comprendre très vite pour suivre, si on voit que ça fait système, là il faut reconnaître qu'il y a une crise. Toujours un peu sur le sujet de crise dans l'entreprise, quel canal média, selon vous, faut-il privilégier lorsqu'on souhaite informer de cette crise ? Bah, je pense que les premières prises de parole doivent être extrêmement formelles, la plupart du temps par écrit, hein, pour vraiment peser les mots, que ce soit via un message interne, via un communiqué de presse. Mais plutôt que le type de média, que ce soit un communiqué de presse, un message, une lettre, etc., ce que je recommande quand même fortement quand on est confronté à une situation de crise dans une entreprise, c'est de commencer par informer ses salariés et ses actionnaires avant d'informer les consommateurs. Il faut commencer par ses troupes, l'équipe dirigeante, les salariés, puis les actionnaires, puis le grand public. Mais de toute façon, comme il y a des frontières poreuses entre ces différents niveaux, l'information va vite sortir. Mais c'est important psychologiquement de commencer par ses propres troupes.
On a une question qui nous demande comment la communication de crise va-t-elle s'adapter au changement de paradigme qu'on nous prédit tant en ce moment? Donc comment c'est la communication va-t-elle s'adapter après donc la crise du Covid-19? Je pense que les gens vont reconnaître qu'il faut qu'ils mettent en place dans chacune des entreprises des mécanismes de détection des signaux faibles pour pouvoir identifier longtemps à l'avance les phénomènes de crise. C'est une première chose. Deux, je pense que, et je vois que moi j'ai beaucoup de demandes hein, de la part de chefs d'entreprise pour des formations justement à la gestion de crise, l'établissement de procédures, mais surtout l'acquisition de bons réflexes, parce que aucune procédure ne peut prévoir l'exceptionnel. En revanche, on peut se mettre en tête des grilles de lecture qui vous permettent de détecter les bons signaux, les signaux faibles, et puis aussi de réagir, d'avoir les bonnes premières réactions, et à travers, on fait des workshops, des ateliers de travail pour justement essayer de voir comment améliorer les choses. Donc, je pense qu'il va falloir avoir du retour d'expérience, mettre en place des mécanismes de signaux faibles, faire des mécanismes de formation aussi pour les dirigeants. Et puis après, il y a une interrogation plus large, et ça c'est passionnant, et je travaille au-dessus dessus avec mon agence, sur la raison d'être des entreprises. Je pense que les entreprises vont comprendre que justement tout ne peut pas être comme avant, même si il serait faux de dire que tout va changer d'un coup, hein, ça c'est totalement utopique et peut-être pas souhaitable. En revanche, les gens vont devoir se réinterroger sur la finalité de leur action, la finalité et les modes d'organisation. Et donc ça, c'est un long travail qui va se déployer sur plusieurs années, certainement. Une question de Anne Cochard. Vous disiez tout à l'heure que le premier réflexe à la fin de la crise, ça va d'abord être de refouler. Du coup, sa question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire un retour d'expérience, donc non pas en sortie de crise, mais plutôt plus tard, quelques mois plus tard? Bah, je pense qu'il ne faut pas faire les choses trop à chaud, hein. Donc je pense que le bon retour d'expérience, il va commencer à la rentrée, en septembre. D'accord. Une question de Samuel Zamy qui demande comment ne pas faire l'erreur de revenir à la situation d'avant et ne pas retomber dans les mêmes travers en tirant les conséquences de la crise. Bah, il faut regarder les choses en face. Je pense que le leader dans l'entreprise ou dans le secteur public doit commencer par dire que oui, il s'est passé quelque chose de grave, d'inouï, qui nous a percuté très fortement, et donc on va devoir en parler tous ensemble. Je pense que la pire attitude du chef d'entreprise ou du leader public, ce serait d'arriver en disant, écoutez, bon, voilà, on a franchi la crise, maintenant on repasse à autre chose et on recommence comme avant. Je pense que ce sera inaudible, tant vis-à-vis des salariés que vis-à-vis des parties prenantes, des actionnaires, que des consommateurs. Donc il faut commencer par le dire, mettre des mots, puis après engager une réflexion. Donc il y a plein de façons de le faire, hein. Une consultation de ses salariés, une consultation de ses consommateurs, des groupes de travail, des séminaires. C'est pas pour le plaisir de se réunir, mais je crois que les gens vont avoir besoin de parler, de discuter, avant d'avancer. Une question de Sandrine Chicharot, fidèle spectatrice de nos talks que nous saluons. Dans la crise actuelle, comment faire accepter l'inconnu dans les données sanitaires, les doutes des scientifiques et donc les incertitudes dans le calendrier des prochaines semaines? Comment faire accepter ça au grand public finalement? C'est difficile parce qu'on est dans une société qui refuse la fatalité et qui n'accepte pas l'idée qu'il n'y ait pas de risque zéro. Et puis ça, donc ça c'est aujourd'hui, enfin c'est depuis quelque temps maintenant. Et puis d'autres, parce qu'on s'est entretenu dans un mythe de la sécurité absolue qui n'existe pas, ni il y a toujours des guerres, il y a toujours des attentats, mais il y a aussi toujours des crises sanitaires. Donc le risque zéro n'existe pas, et peut-être que les gens vont en prendre conscience progressivement, ce qui va conduire peut-être aussi les gens à aborder la vie de façon différente, c'est-à-dire que sans faire de la mauvaise philosophie, je pense que tout ce qu'on a entendu au cours des dernières années sur la vie éternelle, le transhumanisme, etc., va peut-être être un peu mis de côté au profit de quelque chose de plus réaliste, qui est oui, la vie est courte, elle est incertaine, pleine d'accidents, et que donc il faut l'aborder de façon différente. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quelque chose de plus fondamental, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'autorité qui est remise en cause. Sans faire de la mauvaise philosophie, là aussi, le concept même de contrat social, il repose sur l'idée qu'on délègue l'autorité, le monopole de la violence légitime, comme l'a dit Weber, à une autorité autre, Léviathan, on va dire Hobbes, qui est censée vous protéger. Mais là, aujourd'hui, on se dit, bah, est-ce que l'État nous protège vraiment? Et c'est ça la question auxquelles les pouvoirs publics vont devoir répondre, en disant, oui, bah, humblement, on fait tout pour vous protéger. On le fait certainement mieux que vous ne le feriez vous-même si vous étiez seul. Donc ne croyez pas
que nos propres difficultés doivent vous conduire à opter pour une protection privée, parce que vous n'y arriverez pas. En revanche, nous avons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas capables de tout faire et de tout résoudre d'un coup de baguette magique. En revanche, nous avons une obligation de moyens qui doit nous conduire à renforcer la protection. Une autre question de Victoria Vergniaud qui donc dit que cette crise elle est si imprévisible que les gouvernements et les entreprises ont choisi à peu près d'adopter des mesures similaires. Est-ce que selon vous, il faut profiter de ces situations pour se différencier des autres acteurs? Se différencier des autres acteurs de quel point de vue peut-être? Je pense que comme ce qu'elle veut dire, c'est il y a beaucoup d'entreprises qui adoptent à peu près la même stratégie Ah, de d'accord, communication et de gestion de crise. Est-ce que ok. c'est une opportunité pour se différencier et sortir du lot? Bon, opportunité, je ne sais pas, mais je ne crois pas que les entreprises doivent toutes faire exactement la même chose. Je pense que l'impératif pour tous, c'est évidemment la précaution, la protection des salariés, la protection des consommateurs. Donc ça, je crois que c'est. Il n'y a pas à se distinguer là-dessus. En revanche, je pense que certains auraient intérêt à se singulariser, peut-être pour entraîner d'autres, en expliquant comment est-ce qu'on va sortir de l'état de crise. On reproche beaucoup au pouvoir public en ce moment de ne pas avoir de plan de déconfinement, mais les entreprises aussi doivent avoir des plans de déconfinement et commencer à le dire, à le formuler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à leurs salariés, à leurs consommateurs, à leurs parties prenantes, et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas vivre dans cet état de crise permanent de peur. Et je pense que les entreprises ont aussi un rôle citoyen à jouer de ce point de vue-là pour réintroduire de la perspective, de l'espoir, j'allais même dire de la joie et du bonheur de se retrouver. La reine d'Angleterre a dit nous nous retrouverons, nous serons de nouveau ensemble. Le président de la République a parlé des jours heureux en hommage au Conseil national de la Résistance. D'autres auraient pu parler de bonheur collectif. Je crois que l'entreprise aussi a ce rôle à jouer. Oui, on va continuer, on retournera au cinéma. Oui, on retournera dans les cafés. Oui, on retournera à des concerts, des compétitions sportives, etc. Et je crois qu'il faut dessiner cette perspective qui appartient à tous. Alors, ça ne sera pas peut-être dans 3 jours, ni dans 3 semaines, ni dans 3 mois, mais on le fera. Et je crois que c'est important que les entreprises montrent aussi cela, qu'en fait, on va vaincre cette épidémie. Rien ne reviendra comme avant, bien sûr, mais on ne va pas vivre claquemuré dans une grotte pendant les 10 prochaines années. C'est faux. Une dernière question avant de conclure de Delphine de Maison qui demande comment tenir une crise qui se révèle plutôt être un marathon qu'un sprint finalement. Elle pense notamment au personnel hospitalier en première ligne qui doivent tenir le coup sur la durée. Donc comment tenir? Déjà, on se rend compte que si on prend la métaphore marathonienne, parce que moi-même je suis coureur à pied et marathonien, le bon marathonien, c'est celui qui s'est bien entraîné avant et qui a eu les moyens pour s'entraîner. Le personnel soignant, il a peut-être souffert d'une très grande précarisation et paupérisation au cours des dernières années, donc peut-être une des leçons de sa crise, c'est peut-être que ce sont eux les premiers de cordée que l'on doit aider. D'autre part, oui, il faut tenir la longueur et dépasser en fait l'adrénaline. Si je file aussi sur la métaphore sportive, quand on court, souvent, la course à pied, on est tenté d'aller un peu vite au début parce qu'on se sent en forme. Et il faut toujours avoir en tête que la course fait 42 km, quelques centaines de mètres d'ailleurs, et qu'elle se juge dans les derniers hectomètres. Dans le marathon, le plus dur, ce n'est pas le premier, ni le 10e, ni le 20e, ni le 30e, c'est le 40e km. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, y compris dans la gestion de crise. Merci Monsieur Ganzer, on Bah, va merci à vous, c'était conclure passionnant. ici. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de terminer? Bah, je souhaite à tout le monde de prendre bien soin de soi, parce qu'on est dans une période difficile. Donc je souhaite surtout la santé à tout le monde. Puis je vous souhaite à tous de pouvoir nous retrouver, parce que c'est super les conférences et les webinaires, mais c'est encore mieux pouvoir trinquer à la terrasse d'un café. À fait. Merci beaucoup Monsieur Ganzer, merci pour le temps que vous À nous avez bientôt. accordé et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. De notre côté, on se retrouve dès demain pour un nouveau talk Be My Desk en présence de Gregor Osbolt qui va nous évoquer sa traversée de la Manche à la nage et en quoi cette aventure, cette expérience l'a aidé pour sa vie d'entrepreneur. Donc on vous invite à vous inscrire dès maintenant dans le lien qui se trouve juste en dessous
dans la description et à consulter aussi le programme du reste de la semaine qui va s'avérer aussi passionnant. Merci à tous d'être fidèles à nos talks et bonne journée.